Océanor vous présente votre émission 100% émotion, Fond de cœur. C'est vrai que c'est pas évident parce que pendant longtemps j'étais en couple et c'était pas évident, on va dire. Hein. Donc j'ai fait pendant 10 ans plusieurs expériences et jusqu'au jour où j'ai trouvé la bonne. Enfin, j'espère pour l'instant. Bon, ça fait à peine 2 mois qu'on est ensemble, mais bon, on espère que ça va bien se passer. Mais c'est vrai que l'amour, c'est difficile à conceptualiser, on va dire. C'est quelque chose d'abstrait, mais c'est intérieurement qu'on le ressent. Et on le sent si c'est la bonne ou pas. C'est un feeling, on va dire. C'est-à-dire, on n'attend pas que ça arrive. On se dit oui, c'est vrai qu'il fallait le chercher aussi, mais c'est un feeling. C'est un sentiment qui traîne dans l'air et que voilà, c'est un coup de foudre quoi. Là c'est, c'est comme vous êtes devant, je sais pas, une magnificence. Voilà, vous restez bouche bée, vous tremblez un peu parce que vous savez pas comment aborder la personne déjà et vous savez que c'est la personne qu'il vous faut. Elle vous, enfin je sais pas, c'est un flash, c'est comme un flash et on est comme, j'ai pas de mots, c'est vrai, c'est difficile à décrire, vraiment. Quand on me dit on reste bête, Créole dit ouais, on reste bête quoi. Mais c'est ça, l'amour, c'est quand vous trouvez quelqu'un qui est fait pour vous, c'est dur à exprimer le sentiment. C'est uniquement la personne qui saura vraiment la façon dont vous êtes, dont vous lui parlez, dont vous bougez, dont. Mais je peux pas vous dire, ça dépend des relations, vous savez, ça peut être un coup de foudre, un flash, mais après l'amour fou, vous restez immobile quoi, vous n'avez même pas à lui parler, à lui dire quoi que ce soit, vous dites que des conneries en fait. Ben, c'est génial quoi, enfin on est comme des gosses, parce que je vois que, bon, on est des adultes mais on est comme des gosses, c'est une amie, c'est comme une amie, ma femme, ma copine, enfin voilà. On va dire mon tout quoi, mais voilà, je peux pas vous le décrire parce que moi je vois des couples qui sont là, que je connais depuis 20 ans, qui sont mariés, moi ils n'ont pas cette complicité. C'est un moment vraiment privilégié avec la personne avec laquelle on partage, soit sa vie, soit une amitié, peu importe, mais voilà, c'est quelque chose de très fort, très fort. Et c'est, voilà, c'est, on voit, on vous souriez, vous êtes bien, c'est pas sourire bête, mais on est bien quoi, on se sent vraiment bien. Enfin, je sais pas le bonheur, mais c'est pas mal quoi. Chérie, je vais te dire que déjà que je t'aime et que même là tu me manques, enfin que tu manques tout le temps et que on se voit, j'aimerais qu'on se voit un peu plus parce que et que j'aimerais que qu'on profite de ces moments parce que je t'adore énormément et ça fait longtemps, enfin c'était la plus belle chose qui me soit arrivée, mais vraiment depuis très très longtemps. Et chaque fois, je te dis, même quand tu es avec moi, même quand tu dors avec moi, tu me manques. Et donc, je t'aime et j'espère qu'on fera jusqu'à la fin de ma vie, quoi. Je sais pas, mais je t'aime, vraiment je t'aime. Océanor vous a présenté votre émission 100% émotion, Fond de cœur.